à tous et bonjour à toi qui habite peut-être Bourgognage dans le Lot-et-Garonne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui du spectacle de Noom Diawara qui s'appelle Mon ex avait raison. Alors Noom Diawara, vous le connaissez sûrement puisque c'est un comédien et humoriste qui a joué dans le film Succès Planétaire, qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu. Il a également coécrit et joué dans la pièce Amour sur place ou à emporter aux côtés d'Amel Chabi, et il a également fait partie du Jamel Comedy Club. Alors donc ce comédien, il a un spectacle qui s'appelle Mon ex avait raison, ça fait déjà quelques années qu'il le joue, et pour le coup je l'ai vu 2 fois et je vais vous dire, petit teasing, ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, je vais vous raconter un petit peu ce spectacle, de quoi ça parle. Alors, il nous raconte son histoire, pour le coup il ne joue pas de personnage, vrai ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il est largué par sa meuf et il est contraint et forcé de retourner vivre chez papa-maman. Il revient donc sur sa vie de couple, il revient sur les défauts de sa meuf, ses défauts aussi, et donc sur ce retour à la vie de célibataire. En vrai, il va nous démontrer par l'humour que les hommes et les femmes ne sont pas vraiment faits pour être en couple. Bon, c'est pas un thème révolutionnaire, mais c'est un parti pris, je trouve, de traiter du couple pendant plus d'1 heure de spectacle. C'est un parti pris. C'est même, j'ai envie de dire, une prise de risque, parce que là pour le coup on aime ou on n'aime pas du tout. Alors maintenant que je vous ai un petit peu planté le décor, qu'est-ce que j'ai pensé de ce spectacle? Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal déjà parce que Noom Diawara, pour moi, il dégage quelque chose d'hyper sympathique, donc bon point là-dessus. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin dans les arguments de la sympathie, il est très bon en impro, il y a beaucoup d'improvisation avec le public, il prend pas mal de gens à partie dans son spectacle et il est très très fort là-dedans, donc ça c'est encore un point positif. Troisième point positif de ce spectacle, c'est qu'il y a un fil conducteur et ça c'est très important pour moi, il nous raconte une vraie histoire, c'est pas un enchaînement de vannes ou de sketchs sans rapport les uns avec les autres, pour le coup on l'écoute vraiment et ça j'apprécie beaucoup. Autant la première fois j'avais pas vraiment accroché sur le spectacle, mais comme je suis quand même sympa et que je laisse sa chance au produit, je suis allée voir une 2e fois et là j'ai complètement accroché. Très bizarre me direz-vous, donc peut-être que ça fera la même chose pour vous. Mais en tout cas j'ai passé un super bon moment la 2e fois, j'ai senti qu'il avait énormément bossé ce spectacle et qu'il l'avait énormément retravaillé. Donc ce spectacle je le recommande d'abord au couple, bah ouais, parce que quand on est en couple, les gars ou les filles d'ailleurs, pour faire passer des petits messages avec l'humour, dès qu'il fait une petite vanne où vous vous reconnaissez, vous tapez gentiment dans les côtes de votre mec ou de votre nana, le message va passer tout seul. Mais pour le coup, moi vous me connaissez, je suis évidemment y allée toute seule. Voilà, tristesse. Mais je me suis quand même identifiée parce que la force de ce spectacle, je trouve, c'est que avec ce thème du couple, on arrive forcément à s'identifier, qu'on soit célibataire ou en couple, on a forcément tous déjà vécu une de ces situations, que ce soit une engueulade pour de la merde, que ce soit une engueulade pour le prénom de nos futurs enfants que nous n'aurons visiblement jamais. Bon, donc moi voilà, je me suis identifiée à son ex qui est donc une vraie casse-couille. Peut-être parce que je suis un petit peu casse-couille. Mais en tout cas, voilà, en couple ou célibataire, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez passer franchement un bon moment. Donc si tu ne sais pas quoi faire demain, tu peux aller voir Noom Diawara en spectacle. Ça s'appelle Mon ex avait raison. C'est aussi en tournée à travers la France. Je vais vous mettre toutes les dates là en barre d'infos, en dessous. Et je vous dis à dans 1 semaine pour une très belle vidéo, mais oui, une très belle vidéo, mais surtout une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, il y a plein de choses qui arrivent très vite, je vous embrasse, à bientôt!